et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une bande dessinée, Le loup m'a dit, de Jean-Claude Servais. Alors Jean-Claude Servais, c'est un Gaumais. Il est à la fois dessinateur et c'est lui qui fait aussi le scénario de sa bande dessinée. Et Le loup m'a dit, c'est une première partie, donc il y aura une deuxième partie. Et le loup revient, je vais dire, en tête d'affiche de Jean-Claude Servais. Et voilà, c'est un animal qui dessine très bien. Je ne résiste pas d'ailleurs à l'envie de vous montrer les dessins qui sont magnifiques. Il a pas son pareil pour dessiner les loups et pour les rendre extrêmement réalistes. Alors cette histoire, Le loup m'a dit, finalement c'est le rapport entre l'homme et le loup à toutes les époques, donc on part du début de l'humanité jusqu'à l'époque contemporaine, et en toile de fond on a une histoire avec une jeune femme qui s'appelle Ambre et son amoureux qui s'appelle Louis, qui sont très respectueux de la nature, et alors ils sont un peu en opposition à Charles qui lui ne voit que la rentabilité et qui, pour qui l'écologie n'est pas quelque chose d'important. Et donc c'est vraiment un très très bel album et une très belle histoire dont on découvrira la suite, hélas, dans un an seulement, puisque voilà, il faut à peu près un an à Jean-Claude Servais pour réaliser un album comme celui-là, dont il fait et le scénario et le dessin, je le rappelle. Alors, en attendant ma prochaine vidéo, surtout, lisez